Livre de Doug Edward Mills, Les démons et comment les affronter. Chapitre 21. Les démons perdent leur emprise quand vous leur résistez. Écriture biblique dans Marc chapitre 5 verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Dans un moment de lucidité, l'homme fou de Gadara s'est libéré du contrôle des démons et a couru pour adorer Jésus. Satan cherche à avoir le contrôle sur vous. La seule manière pour y arriver, c'est à travers nos pensées. Écriture biblique. Luc chapitre 4 verset 3 à 4. Le diable lui dit: Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: L'homme ne vivra pas de pain seulement. Luc chapitre 4 verset 3 à 4. Écriture biblique. Dans Genèse chapitre 3 versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Beaucoup de gens sont maintenus dans la servitude parce que le mode de pensée s'aligne sur les tromperies démoniaques. Les gens sont retenus captifs aussi longtemps que leurs pensées sont en accord avec les idées qui proviennent de Satan. Malheureusement, les pensées de beaucoup de croyants s'accordent avec celles de Satan parce que nous n'étudions ni ne nous croyons en la parole. Quand une personne est pleine de pensées de mécontentement et de critique, le démon de la haine peut facilement prendre le contrôle. Nos pensées naturelles de vengeance, de rancœur, de dépression et de crainte sont bien en harmonie avec l'esprit de maladie, d'infirmité et même de mort. C'est pourquoi la parole de Dieu est si importante. Elle nous met en complet désaccord avec la suggestion du diable. Il est très facile d'accepter des délires démoniaques. Les tromperies du diable ressemblent de près à la vérité. Parfois, nous sommes inconsciemment pris au dépourvu quand nous devions et acceptons les suggestions contraires à la Bible. C'est là qu'intervient la fermeté. La fermeté est un mot dérivé d'un terme de la marine qui signifie maintenir le cap. Cela signifie également devenir dans la bonne direction. Non, ça signifie également revenir dans la bonne direction après avoir fait une déviation. Nous avons tous tendance à faire des excursions de temps à autre, mais l'esprit de fermeté doit nous ramener à la parole. Prenez position et résistez à tout ce qui n'est pas biblique. Fin du chapitre 21.
Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres.